Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Marie-Laure et je vous propose aujourd'hui quelques exercices pour travailler les bras. On m'a posé la question comment travailler les bras. Alors vous avez besoin juste de votre corps, d'un tapis, pas besoin de poids et on va commencer. Donc on se place confortablement, on commence à engager son centre, on baisse ses épaules, on ouvre sa cage thoracique, on tire sa tête vers le plafond et on commence doucement par la respiration. Inspire, on va gonfler ses poumons. Et expire, on resserre ses poumons, on commence à activer son centre parce qu'il va y avoir un lien entre les bras, le buste et également le fait de maîtriser son centre. On y va, inspire. Et expire. Encore deux fois. Okay. On va commencer à activer ses épaules. Et donc, on va mettre ses mains sur les épaules. On garde bien les épaules basses et on amène l'épaule droite devant. On la replace. Épaule gauche devant. On la replace. On le fait 10 fois. Et 1, 2, 3, 4. 8. On reste bien allongé, colonne bien allongée sur ses ischions, tête vers le ciel et en arrière. Le même, en arrière, on revient au centre et à gauche et on revient au centre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On active bien ses épaules que l'on va travailler et engager et on fait des grands cercles. Inspire, expire, resserre les coudes, ouvre les coudes, mais sans bouger le dos, gardant les épaules basses. Inspire, expire. Et dans l'autre sens, en arrière, inspire, grand cercle. Garde le dos allongé, les épaules basses, le centre engagé. Et on réveille doucement les épaules, les bras. Ok, on va tendre les bras, paume de main vers le haut. Et on va juste bouger les poignets parce qu'on va aussi activer les poignets pour travailler les bras. Donc c'est pas les épaules qui bougent, les épaules restent fixes, ce sont juste les poignets. Et on y va, donc paume de main vers le ciel et paume de main vers le bas. En gardant bien les épaules basses, la colonne vertébrale allongée. Ça commence à travailler. Et encore une série. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reste ici et tu vas mettre les paumes de main vers le ciel et tu vas ramener ici les coudes au tronc et tu vas tendre les bras. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et ramène bien les coudes vers le torse. 6, 7, 8, 9, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En respirant. 7, 8, 9, 10 encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, super. Tu vas ramener les coudes ici à fléchis et on va baisser les bras et ramener les avant-bras et on garde les coudes au même niveau. Et 1, 2, 3, 4,
se lève pas les épaules, garde bien les épaules basses. Encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore une fois, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et relâche, relâche tes épaules. Ça commence à chauffer. Bienvenue dans vos épaules et dans les bras. C'est le but. On est là pour les tonifier. On va se placer sur son tapis. Les genoux fléchis et les mains derrière. Les mains sont plus loin que les épaules et les mains regardent le visage. On engage son centre. Et ici, les coudes vont rester le long du corps et on descend, on fléchit les coudes et on revient. On travaille les triceps. On garde bien le buste allongé, on engage son centre. Attention, les épaules, elles ne sont pas en avant, elles sont en arrière, les épaules sont basses. Inspire et reviens. Et là, tu plies les coudes et tu gardes les coudes alignés avec les mains. Ils ne sont pas en extérieur, ils sont vraiment alignés au tronc. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10, une dernière série. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ok. Alors, soit on continue le même exercice, soit on peut lever légèrement les fessiers et on fait le même. Et là, ce sont, ce n'est pas les fesses qui se lèvent et qui se montent, ce sont les coudes qui se plient et qui se tendent. Et 1, on va en faire moins parce qu'il est plus dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hop, et relâche. On relâche, relâche les mains, relâche le dos. Et on articule les poignets dans un sens et dans l'autre. Ok. On va se placer à quatre pattes maintenant. À quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Le dos est neutre. La tête est dans le prolongement du dos. Et on va lever, tendre le bras gauche. Et on va faire des mouvements vers le haut, paume de main vers le plafond, garde la nuque alignée dans le prolongement de ton dos, engage ton centre et on fait des petits pulses. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repousse le sol avec ta main. Il y a les deux bras qui travaillent, celle qui soutient la terre et celle qui est vers le ciel. 1, 2, 6, c'est tout le bras qui travaille. 7, 8, 9, 10. Encore une série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Replace ta main. Donc, ici, la main qui soutient, elle aide aussi, elle travaille, elle repousse le sol. On garde le poids du corps bien au centre. L'autre main vient se placer le long du buste, paume de main vers le plafond, étire ta nuque et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en respirant, 5 à l'inspire, 5 à l'expire. Ça fait 10 encore une fois. Ok, on se replace. On va faire le même,
Et cette fois-ci, on va rajouter une jambe tendue. Donc, on fait attention à ne pas trop creuser le bas du dos. Gardez les hanches bien carrées, parallèles au sol. Et on va faire avec la jambe tendue, garder bien le poids du corps au centre et le même des pulsations. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore et 1. 10, c'est tout le bras qui est tendu, la jambe est tendue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et relâche. On va tendre l'autre jambe et la main droite. Tout le bras va travailler. Allonge, engage ton centre. Et 1, 2, 3. 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâche. Viens t'asseoir sur tes pieds. Allonge les mains et allonge. Inspire, expire. On se replace à quatre pattes et on va continuer le travail des triceps, les petits muscles ici derrière les bras. Donc toujours à quatre pattes, même consigne, les mains sous les épaules. Et là, on va tendre le pied droit. On fait attention, on va garder les coudes dans l'alignement. Les coudes, ils ne vont pas s'ouvrir, ils vont rester dans l'alignement du buste. On tend la jambe et on descend en fléchissant les coudes. Et 1. Et on fait attention, s'il y a trop d'effort, on ne descend pas trop bas. L'idée là, c'est vraiment de garder le soutien, de repousser le sol et de fléchir dans l'alignement du corps. 2, on va en faire moins, il est plus dur. 3, 4, 5, 6, on va en faire 10, 7, 8, 9. Replace ton genou et tend l'autre jambe. Tu la tends et descends. Fléchis les pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et relâche. Assieds-toi, étire les bras, paume de main vers le ciel. Et relâche. Inspire, expire. Ok. Et maintenant, on va passer sur le côté. On a le bras tendu et la main, elle est un petit peu décalée de l'épaule. La main, elle est au niveau des fessiers, les genoux sont fléchis. Ici, on ne va pas s'affaisser. L'idée, hop, on met la main ici sur sa taille, on se redresse, on travaille ici la taille, on travaille les aisselles et le bras, bien entendu. Et on inspire et on va lever. Et en même temps, on repousse la taille du sol et on lève le bras. Et 1, et 2, 3. 10, il descend. Je me place, je glisse un peu. Encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10, reste.
reste ici, repousse, repousse ici avec la hanche et reste. Et on va travailler ici le bras. Et 1, et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et descendre doucement. Bravo, on va changer de côté, on se replace, et on y va, on engage, attention, on repousse le sol avec les côtes, mets la main ici, on repousse, engage tes abdos, et 1, et 2, 3, reste ici, repousse le sol, repousse et avec le bras, et 1, et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, relâche. Ouh, bravo, c'est super. On va passer maintenant en planche, les derniers exercices. On se met ici, les mains et les bras, les avant-bras comme ceci. Devant soi et on va tendre une jambe et puis l'autre. On est en planche et on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on tourne. On tourne et on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on se replace en planche. Encore. 1, 2, repousse le sol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et planche latérale. Tu bascules ici. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Reviens, pose les genoux, amène les mains derrière, viens poser le sommet du crâne et relâche les épaules, relâche les poignets, les mains, inspire, expire. Et on se redresse doucement. On se replace, ici on articule les épaules, inspire, expire dans un sens, dans l'autre, articule tes poignets, on relâche les poignets, on a bien travaillé, amène paume de main l'une contre l'autre, les coudes au niveau des épaules et pousse les mains l'une contre l'autre, expire. Ok. Ramène les mains derrière, croise les doigts et étire. Ouvre ici la cage thoracique. Inspire, expire. Tu peux même faire une petite extension. Levez légèrement la nuque. Et relâche. Et voilà, je vous remercie. Quelques exercices toniques pour travailler les bras, travailler le haut du corps, le dos, tout en conscience. Et
en joie et avec un grand plaisir. J'espère que ce cours vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, me dire ce que vous souhaitez voir comme nouvelle vidéo et je saurai vous écouter, vous entendre pour créer les prochaines. Merci beaucoup, je vous souhaite un bel été et je vous dis à très bientôt à Paris. Au revoir.